Bonjour à tous et à toutes, c'est Zistonic et je suis aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo sur ce Jack 2 à la loi comme d'habitude. Et voilà, bon, on va continuer un petit peu là où on était resté pour cet épisode 9. Donc dans l'épisode précédent, on avait commencé par affronter 40 mecs là avec une espèce de tourelle. Puis on avait dû battre un gros vaisseau, enfin c'était bien galère. Ensuite on avait enchaîné on avait dû un peu transporter des lurkers pour les ramener jusqu'à comment ils s'appellent, Brutchers je crois, enfin un truc comme ça. Et donc on avait réussi à le faire finalement. Puis on avait finalement demandé d'aller activer des espèces de boutons, on va dire ça comme ça, pour aller finalement chercher un totem lurkers, enfin un truc du genre qui nous avait permis de prendre un bout de saut de marre. Bon, en tout cas je vais essayer d'aller chercher d'aller voir Thorn pour pouvoir avoir une nouvelle émission. Donc je vous précise tout de suite, je suis un peu fatigué et ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de Jack. J'ai complètement oublié là où on en était. Allez, c'est parti. Enfin, un truc que je me souviens en tout cas, c'est que faut pas se prendre de garde. Allez, hop. Vous voyez, on va assez vite quand même là. Faut avouer que j'ai mis bien le turbo. Oula, attention. Faut aussi pas se prendre de mur, ça serait pas mal. Bon. Vous avez pu voir le vidéo du Space 12 où plusieurs personnes m'ont demandé oui mais dis-moi, c'est pas ton niveau de Space 12 et tout, enfin c'est pas tu peux faire mieux que ça, non? Bah moi franchement oui, je peux faire mieux que ça, mais en fait le truc c'était que je voulais pas vous faire une vidéo très longue vu que j'avais pas vraiment le temps en fait de vous faire une vidéo, et comme je déteste faire des trous entre mes vidéos, j'ai préféré vous mettre une petite vidéo comme ça. Et donc je me suis dit tiens, bah celle-là je viens de la faire il y a 2 minutes. Elle est plutôt pas mal en sachant que c'est du Space 12 sans dégâts. Bon, maintenant j'ai des dégâts et en or, mais bon, voilà. Et puis voilà. Bon, allez, c'est mon arrivée jusqu'à Thorn. Hop. Ah, il s'est même pas explosé, j'aurais cru. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il nous raconte. De toute façon, ils vont toujours nous donner une mission chiante comme d'hab. C'est parti! Le baron est sacrément remonté. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Mais ça ne lui a pas vraiment plu. Ce n'est que mon premier coup. Il s'est procuré de nouveaux chars à Speak, Grenagarde. Les rues de la ville sont risquées pour les souterrains. On a déjà perdu 5 hommes cette semaine. Vos hommes devraient pouvoir se protéger tout seuls. Mais je veux bien m'occuper de quelques chars, si c'est là où vous voulez en venir. Te mouille pas pour une grande cause, hein, Jack? Bon, j'accepte votre aide, quelle qu'elle soit. Éliminez les 5 chars à Speak. Le baron devrait comprendre le message. D'accord, moi des chars à Speak, ça va bien me plaire, je pense. Allez, c'est parti, faut tuer 5 chars à Speak. Que cool, les munitions. Bon, j'espère que je vais pas avoir un truc du genre. Si je meurs, je recommence tout depuis le début. Parce que ça, c'est vraiment un genre de truc bien chiant. Allez, c'est parti. Oh, bah, direct, il y a un char. Allez, d'accord. Ah, ouais, ok. Ah, ok, ça commence bien. Ah, le char, il est limite invincible, quoi. Bon, j'ai perdu de la vie. Ouais. Un quart, ça, bon, ça suffit. J'ai perdu quelques munitions bleues, mais c'est pas grave. Oh putain, je le sens grave mal. Oh putain, il y a 500 gardes. 4 chars encore. Je pense que je devrais bien m'en sortir quand même. C'est parti. Oh putain, je me fais mitrailler la tête. Il y a un char pas loin. Allez, hop. Oh putain. Il y a aussi des tourelles. Là. Pourquoi tu vas là, char? Oh, les sadiques. Oh, les sadiques. J'adore du small, là, sadique. C'est un mot que j'adore. Hop. Vas-y, monte dedans et tu te baisses vite. Voilà. Bon. Vous voyez, je perds souvent de la vie. Hein. Voilà, il y a un char juste là-bas. Normalement, tout devrait bien se passer avec ce char, non, si. Vas-y. Voilà. Allez, plus qu'un char. Je sais pas crever trop vite non plus. Un truc pas mal aussi, ça serait de changer de véhicule parce que là...
Je suis vraiment dans la merde avec ce petit scooter là. Voilà. Hop. Voilà, celui-là il est déjà mieux. Bon, je pense qu'on va devoir changer d'arme. Voilà, il a passé aux armes jaunes. Parce que c'est vrai que je vais pas aller loin avec. Hop. Oula. Ça part un peu en cacahuète là. Hop. Putain, il est dur à contrôler ce char, c'est vrai. J'avais presque oublié. Oh là là, je me fais poursuivre. Bon, plus que deux. J'espère que je vais m'en sortir. Ça me reste la moitié de ma vie. Ça va. Allez, tout droit. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Après, si je suis pas piloté, c'est sûr que ça devrait pas aller. Hein. Allez, tout droit. J'aimerais trop que l'alarme elle se désactive là. Et voilà. L'alarme s'est désactivée comme si rien n'était. J'adore. Ça m'éclate de voir ça. Bon, maintenant on peut prendre le temps qu'on veut. Allez, c'est parti. Oula. Allez, c'est vrai que c'est un point d'interrogation là sur la gauche. Allez. Hop, on va essayer de pas se prendre de garde parce qu'on a déjà galéré pour ne plus avoir l'alarme. Oh bon sang, il y a plein de gardes partout là. Il fume un petit peu mon machin. C'est pas très grave, au pire je vais changer dès que je vois un char. Là il y a un char. Je vais vite changer. Voilà, je change. Alors vous êtes prêts les gars? 1, 2, 3. Allez, tire tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as, tout ce que t'as. Eh bon sang. Il s'aime en plus, hein, il veut pas se battre. Oula. Oh, puis je suis déjà dans le rouge. Ah, le salaud. Ah là là. Ah, ils cherchent pas à comprendre. Hein. J'ai pas eu le temps de me dégager. Direct, ils sont allés sur moi. Bon, il est où leur char là? Putain, je suis censé le détruire. Ah, il s'est barré là-bas. Ah, j'y crois pas. Pourquoi il s'est barré? À moins que ce soit l'autre, parce qu'il y en avait deux chars. Peut-être que c'est le deuxième. Je sais pas. Allez voir. Ouais, je pense que c'est le deuxième. Ah, mais ils sont super énervants, franchement. Ah, mais allez, ils abusent, quoi. Je recommence pas depuis le début, hein. Ah non, pas depuis le début. Non. Ah, et voilà. Vous voyez, moi, ça m'énerve, ça. Voilà, voilà. Vive Jack. Vive Jack, hein, pour dire d'autres. C'est impossible. Vous avez vu les mecs? Ils sont 500 gardes sur toi. Je vois même pas où je tire. Hop. Voilà, toi t'es mort déjà. Ça c'est fait. Après je vais aller pendant 3 heures chercher les autres chars, si j'en trouve. Allez, on va se retaper la mission encore une fois. De toute façon, on est bon à chaque fois pour se retaper la mission. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment on fait, franchement. Je sais pas comment on fait, à chaque fois on arrive à crever et à se retaper 2-3 fois les mêmes missions. Allez. Et putain, j'ai même pas eu le temps de m'enlever du char, quoi. Allez. Oh, mais je vais aller sur toi, là. Je vais te récupérer, véhicule. Voilà. Hop. Voilà. Déjà, ça c'est fait. Bon, j'ai perdu un point de vie. Enfin, 2 points de machin. Et ouais, c'est bon, je m'en sortirai, je pense. Ah, le truc, c'est à chaque fois, j'ai pas le temps de m'enlever du véhicule. À chaque fois, ils viennent me tuer avant de m'enlever du véhicule, donc je perds de la vie. Allez, hop. Oula, ils sont violents. C'est bon là, on se calme aussi. Ah, faudrait bien penser à se calmer aussi, hein. Oh, on se calme. Sors, sors, sors. Oh bon sang, mais regardez ça, ils sont des millions. Ils sont des billions à nous tirer dessus. Voilà.
ça déjà c'est fait. Ok, déjà je me prends un tout petit truc direct, il y a toute la coque de mon vaisseau qui s'explose. Enfin de mon vaisseau, mon scooter. Allez, j'ai la moitié de ma vie pour deux chars. Comme tout à l'heure quoi. En sachant que c'est vraiment de l'abus. Bon, je vais y aller à l'arme bleue. Je pense que ça devrait déjà être plus efficace. Et ça pourrait que je mets plus de chance pour m'en sortir. Allez, vas-y. Putain, je me fais poursuivre par des millions d'hommes et de chars. Un truc sympa, ce serait que l'alarme se désactive. Ça serait juste gentil. Vas-y. Bon, il arrête de me suivre le scooter là. Voilà. Il perd un petit peu de. Vas-y. Ah non, même pas. J'ai cru que je gagnais un peu de terrain sur lui, mais même pas quoi. Il me colle à fond. Ah, mais faut arrêter de me coller autant quoi. C'est bon, même pas. Regardez en bas sur la carte, hein, le mec il me colle. En rouge là. C'est bon. Voilà, c'est bon. L'alarme devrait vite se désactiver, je pense. Voilà. Comme ça, on va pouvoir les prendre par surprise. Ouf, j'ai failli me prendre un garde. Là, franchement, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc, c'est parti. Prêt. Ouais, j'ai jamais compris ce. Prêt. 1, 2, go! Merde. Je tue pas mon mec. Hop, vas-y, en descend, voilà. Ok, d'accord. Ça c'est fait, j'ai vu le vaisseau, j'ai tiré dessus, ça a rien fait. Ça c'est fait. Il me reste un quart de vie. Si je meurs. Ah ouais, d'accord, il a récupéré toute sa coque. Comme si rien ne s'était passé tout à l'heure. Tout à l'heure il était dans le rouge, là il y a. C'est comme si rien ne s'était passé. D'accord, ça c'est normal. Voilà. Ça c'est bien. Vas-y, va un tout petit peu plus vite s'il te plaît et ça devrait être bon. D'accord mon petit char. Vas-y. Non mais c'est bon aussi hein. Allez, se calme les vaisseaux. Bon c'est parti, je devrais encore les semer comme tout à l'heure. Oh calme, calme. Allez punaise, c'est quoi cette ville de merde là? Les rues elles sont plus étroites que des couloirs. Attends, vite. Voilà, m'enlever parce que j'ai cru que j'allais crever dans ce vaisseau là. C'est assez chaud hein. Faut avouer. Bon, c'est quoi cette ville toute petite? Les rues elles sont plus étroites que n'importe quoi. Les mecs, ils ont des mitraillettes. Faut le dire hein, si vous voulez des mitraillettes. Hein. Moi je croyais que c'était du coup par coup. Non, non, c'est mitraillette, mitraillette. C'est bon, presse, 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 vas-y. Elle explose, 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 explose. Non ! Ah, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas. Pas, il lui restait un tout petit peu de vie et c'est un mec qui est venu me foncer dedans. Kamikaze. Oh, je sais pas si je vais réussir à le finir, ce jeu. Franchement, je me demande des fois. Hein. Ah mais avouez, c'est abusé. Depuis tout à l'heure, je me fais chier avec un mec. Et voilà. Vive moi. Oh, ça me fait rager ça. Ça me fait rager ça. Vas-y, t'esquives toutes mes balles, allez. Allez, pourquoi tu t'esquives toutes mes balles, quoi? N'abuse pas aussi. C'est bon, non, même pas. Est-ce que je vais y arriver? Telle est la question. Pousse-toi, s'il te plaît. Allez, vas-y, abuse pas. Le mec, il te fonce dedans, quoi. T'attends quoi là? Ils attendent quoi les vaisseaux rouges là? Vas-y, monte dedans. Tu descends. Tu fais le tour. Et tu vas finir le mec qui te fait chier depuis tout à l'heure. Ça serait gentil. Il est où? Là-bas.
Allez, c'est vrai qu'il a regagné toute son endurance. Enfin, son endurance, sa coque. Ok, moi, je sais pas comment je suis mort, mais je suis mort. Ok. Enfin, comment mon vaisseau m'a explosé, mais il a explosé. D'accord, ils viennent de s'exploser contre toi. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait un jeu comme ça, où il y a des mecs qui viennent s'exploser contre toi. Donc, je sais pas pourquoi Naughty Dog fait ça, mais il le fait. Un concepteur a dû se dire, tiens, j'ai une idée. Si les gardes, ils venaient s'exploser contre le véhicule du gars, ça pourrait être marrant. Non, non, franchement, ça pourrait être marrant, je crois. Moi, je dis. Ah, je vais jamais y arriver. Oui, il a explosé. Après 800 balles. Oui. Alors là, franchement, je dis respect au concepteur. Regardez ça. Du 600 balles par 600 balles. Ok, d'accord. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Les mecs, ils te foncent dedans. Tu te prends un petit coup. Ton vaisseau, t'as l'impression qu'il va tomber en morceaux. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Allez. Allez, vas-y, quand tu veux. D'accord. Ça, c'est fait. Vas-y. Ah là là, c'est quoi ce jeu? Non, je voulais pas prendre celui-là, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que il y a des kamikazes qui se font dedans. Hop. D'accord, ça, c'est normal. J'ai presque oublié à quel point c'était normal, ce jeu. Ouais. Je suis censé tuer avec quoi, vu que j'ai plus de munitions. D'accord. Vive Jack de hors la loi. Franchement. Non, allez. Soyons un minimum positifs. Ce jeu a de super graphismes, a une histoire géniale, a une difficulté de merde. Allez. Ah ouais, d'accord, d'accord, ça fallait le dire tout de suite, d'accord. Bon, vous voulez que je fasse quoi? Que je réessaye ou que je réessaye pas? Moi, je vous dis, on réessayera tout à l'heure, parce que là, j'ai pas le goût à continuer cette mission qui m'énerve. Surtout tout à l'heure, là, regardez ça, 18 minutes qu'on fait de la vidéo et 18 minutes que je me fais chier. Mais... Ah là là, Jack 1 me manque. Jack 1 où il n'y avait pas des gardes, et si mais tu faisais une petite fausse manip, tu mourrais pas quoi. Ah là là, c'est vraiment un jeu énervant. Avec des vaisseaux que tu peux pas tuer, des vaisseaux immortels. Allez, voilà. Génial. J'adore ce jeu. Est-ce que je peux faire du jetboard tranquille, s'il vous plaît? Ça serait gentil. D'accord, bah t'écriras un livre et on pourra lire sur le quartier de la ville. Bon allez, moi je vous propose d'aller voir Crew. Parce que je suis énervé, parce que j'en ai marre de ce jeu qui nous énerve tous ensemble. Allez. Je sais pas que je suis de mauvaise humeur en fait, c'est... Voilà quoi, c'est de l'abus. Tout à l'heure, le mec, je lui mettais un tir, il explosait. Puis tu vois les vaisseaux là, il leur faut 500 balles pour mourir. Je cherche l'erreur. Allez. Merde, vas-y, voilà. Voilà, je suis tombé dans le trou. Si j'arrive un jour à sortir du trou. Si j'arrive un jour à sortir du trou, je me répète un petit peu. D'accord, j'ai perdu 3 points de vie. Jamais tombé dans un trou. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut se souvenir. Allez, bon, allons voir Crew. Si j'arrive jusqu'à Crew. Je sais pas moi pourquoi, mais les cartes sont de plus en plus fortes, de plus en plus chiants. À moins que ça soit que moi. Allez. Bon, on y est bientôt. Enfin, bientôt. Ok, hop. Je sais pas pourquoi il nous fait passer par là, mais apparemment, il faut passer par là. Allez, on va suivre la coupe. Je sais même pas ce qu'elle désigne, la coupe, en fait. Pourquoi c'est une coupe? Ok, merci. Ok, alarme désactivée. Ça, ça fait bien plaisir, ça. Allez, t'es bientôt. Allez, c'est quand tu veux, voilà.
Ah, ça m'éclate ce jetboard. Allez, on va aller tous voir Crew pour voir ce qu'il nous raconte. Ok, ça c'était obligé. Hop là. C'est toujours comme ça, moi. Ouais, tout à l'heure, j'aurais pu passer par un autre endroit, hein, mais il m'a dit, vas-y, passe par cet endroit-là. Hop là. Bon. On va essayer de se dépêcher un petit peu, parce que ça doit être pas un peu chiant, mais un petit peu chiant quand même, cet épisode. Surtout qu'on n'avance pas. Allez, hop. Pour moi, on sait à quoi s'attendre la prochaine fois qu'on recommence le niveau avec les chars, là. Hop, les. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me semblait plus facile, quand même, ce jeu, hein, quand je l'avais fait. Mais là, franchement, faut avouer qu'avec vous, c'est peut-être vous qui portez la poisse, mais c'est super dur. Salut, salut. Autrefois, quand je collectionnais les œuvres d'art, je suis allé au musée local pour emprunter une célèbre statue de Mar, le fondateur d'Abreville. Entre ses mains, la statue tenait la clé rubis des portes de la ville. Un objet de toute beauté et d'une valeur inestimable. Oh, l'art, c'est mon dada. On a utilisé les égouts pour faire sortir cette énorme statue, et là, un orage les a littéralement inondés. La statue et 5 de mes meilleurs éléments ont disparu. Oh ben, quel coup dur. Oui, une perte tragique. Je n'ai jamais revu cette statue depuis. L'eau et les metalheads ayant envahi les égouts, personne n'a jamais voulu descendre pour la récupérer. Mais toi, Jack, tu es spécial. Tu peux la retrouver. Jack ! Oh, hé, oh, et moi alors ? Je compte pour du beurre ? Oh, ne me tente pas. Descendez dans les égouts. Évacuez l'eau et retrouvez la statue. Rapportez-moi la clé rubis et elle ouvrira les portes de nos rêves les plus fous. Super, j'adore les bains de boue. Je ne voudrais pas te gâcher le plaisir, petit, mais tu sais qu'il n'y a pas que de la boue là-dedans. D'accord, il n'y a pas que de la boue. Il y a des métallettes aussi. Et une statue qu'il fallait chercher. Bon, on va aller chercher leur statue qui m'énerve là. Allez, c'est parti. Hop, on va voir ce que ça donne. Bon, j'espère franchement que ça va être pas aussi chiant que ces fucking chars. Allez, hop. Encore une fois, passer par là. Ils nous font toujours passer par là. Donc, c'est quoi ? On va passer par ce côté-ci. Je pense que ça va être déjà plus rapide parce que depuis tout à l'heure, ils me font passer par un endroit complètement bête. Ok, hop, on va prendre un char déjà, ça va aller plus vite. Un char. Un scooter. Putain, ça m'a traumatisé ce truc des chars là. Allez. Hop. On va devoir faire un grand virage. Maintenant. Maintenant. Allez, tous vers les égouts. Ces mecs là, ce qu'ils disent quand même, les gardes. Hein. Les gardes, à chaque fois, ils nous sortent des trucs assez étranges, ouais, ouais. Ok. On a plein de gaz, donc je pense qu'on devrait bientôt y arriver. Hein. Activité suspecte dans ce secteur. Qu'est-ce que c'est, raconte quand ils font ça là. Ouais. Bref. Je suis fatigué de ce truc des chars là. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, je suis crevé. Donc ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. Mais quand je vous dis pas dormi, c'est pas dormi du tout. Alors, en haut, toi, petit chat, voilà. Bon, je. Vous quittez la zone de sécurité. D'accord. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là ? Il active pas son truc ou pas ? Voilà. Déjà, je le sens mal. Je vous dis tout de suite, les égouts là, je les sens grave mal. J'espère que ça va être mieux que les chars là. Ça va être mieux que les chars, pardon. Ah, je me souviens, il y avait les tourelles là. Il n'y en a plus maintenant. Je pense qu'il faut passer par là. Hein. Ok. Hop.
Oula, c'est violent. T'as les trucs qui te font. Non, 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 non. Voilà, c'est mieux. Non, vas-y. Reprends doucement, non plus. Allez, con. J'en étais certain. Je voulais prendre doucement, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, il faisait un truc bizarre. Allez. Un truc bien, s'il te plaît. Tonic. Eh, vas-y. Un peu concentré, quand même. Voilà. J'étais assez concentré, faut avouer. Alors ça, je pense que c'est pour... Ah bah c'est bon. Je crois que c'était plus difficile que ça, mais non. Ah ok, d'accord, on a le droit à des mines. Je pense qu'il faut éviter les mines. Oh, oh j'ai chaud là. Ok, il y a plein de mines au fond de la mer. Enfin, à la mer. Au fond du machin. Esquive, esquive. Oula. C'est violent quand même les esquives qu'il faut faire. Hein. Qu'il faut faire. J'ai du mal à m'exprimer des fois, c'est dingue. Mm-hmm. Et voilà. Hop les. Bon, on a descendu toute l'eau. C'est bon. Et merde. Sadique. Voilà. Je crois que ça va être l'endroit le plus difficile hein, par rapport à tout à l'heure. Ah bon sang. Plus ils te préviennent pas quoi. Hop, j'ai essayé de pas de prendre des mines, sinon je vais me sentir un peu bête. Mm-hmm. Par où faut que j'aille? Ou par où je suis censé aller? Par là j'imagine. On sent encore une fois et je meurs pour de bon. Non. Ah mais saleté. Ah c'est super dur à contrôler comme ce jetboard là. Encore je recommence depuis le début. Oh, je crois pas. Ah, ils sont méchants quand même faut avouer hein. C'est abusé. Non mais franchement faut avouer les gens. Il nous faut recommencer à chaque fois depuis le tout début. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh. Oh ouais d'accord, t'as des monstres dans l'eau. C'est nouveau ça. Allez. Hop. Sur la gauche. Bon faut avouer que franchement c'est un épisode où je galère. En même temps dans quel épisode je ne galère pas sur Jack et Dexter? Demandons-nous. Voilà. Par là-bas. S'il veut bien, vu que c'est lui qui décide. Ouais, au pire, je fais ça, hein. Je saute par-dessus comme ça, rien à faire. Vas-y. Voilà. Je suis plus très loin, j'imagine. Mm-hmm. Je sais pas à quoi ça sert tout ça, mais apparemment ça sert. C'est l'espèce de levier là. Enfin, ce levier. Ce truc qui tourne là. Fuck. Ne meurs pas maintenant, s'il te plaît. Ce serait gentil, s'il te plaît. Non, j'y crois pas, mais ils sont sadiques. Ah, je peux rien faire. Ah, ils sont sadiques les gens qui ont créé ce jeu. Hein. Le truc, c'est qu'il est super concentré et tout. Alors, parler avec vous en même temps, c'est super dur. Surtout si. Voilà, il y a cette merde en dessous là, dans l'eau qui vient t'enlever des points de vie là. Allez, faut être concentré. Faut y arriver. Faut pas mourir maintenant, ni après. Parce qu'en même temps, là, si je quitte cet endroit, je me retrouve au truc des chars. Et franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Alors, je vous dis tout de suite. D'abord, je finis ça et après, je ferai le truc des chars. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup avancé et pourtant je pense que je vais mettre pas mal de temps à le faire vu que c'est super chiant, super dur. Voilà. Allez, restons concentrés. Zen, zen attitude. Hop.
On dirait pas, mais c'est super dur comme jeu, hein. Franchement, c'est hard show. Hard show. Le truc dur, je pense, c'est de parler avec vous en même temps. Parce que t'as le stress de ça, t'as en plus le stress du jeu, donc t'es à fond dans le stress, quoi. Voilà. Hop. Tu descends. On va essayer de pas se prendre des trucs qui remontent, là. Voilà. Je vais passer par là, voilà. Mais... Ah, c'est trompeur, ce jeu. Voilà. Putain, c'est pas la première fois. À chaque fois, je me mets au même endroit. Vas-y. Quel côté là? Celui-là. Voilà. Encore? Putain, mais c'est déjà la deuxième fois que je me tape. Enfin, c'est toujours les mêmes endroits, quoi. Par là. Par là. C'est quoi ces machins là? Quelle idée de faire des trucs pareils? Voilà. Et non, ça descend tout en bas. Voilà, ça c'est bon. Hop les. Nickel. Nickel. J'espère pas mourir maintenant. Ce serait plutôt pas mal. Ok, on descend tout en bas, quoi. Et elle devrait bientôt arriver à la statue. Ah bah voilà. Je l'ai. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein, Dax? Eh bien, Jack, je ne serais pas si petit, si poilu, et je me baladerais pas comme ça sans pantalon. Ça me manque, les pantalons. Ah, d'accord, ça lui manque les pantalons. Génial. Tranquille. Allez, vas-y. Hop, hop. Bon, en tout cas, on a... Quand il veut. On a finalement réussi par y arriver. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. C'est quoi ça? D'accord. Non, je croyais qu'il y avait un truc là-bas au fond. Hop les, nickel. Bon. On va tenter le truc des chars. On va voir si on y arriver. Je crois bien qu'il fallait pas passer par là, mais c'est pas grave. Peut-être que si. Je sais pas. Moi, je préfère monter là-dessus. Hein. Parce que je crois qu'il fallait pas que je monte par là. Ouais, plus par là, ça serait mieux, ouais. Allez, c'est parti. Direct. Contamination terminée. Vous deux cherchez Saut de Mare. Très brillant, je crois. Brouteur aussi, adoré objet brillant. J'ai objet, je pense. Dans ghetto, accroché au-dessus de maison de moi. C'est pour vous. Cadeau de Brouteur. Ok, d'accord. Faut qu'on aille voir Brouteur. Brouteur. Ok, on va go voir Brouteur, moi je vous dis. Hein. C'est parti. Hop là. Bon. Moi je vous propose d'abord d'aller. Ouais. Vous savez quoi, le truc avec les chars, on les fera dès qu'on aura besoin parce que. J'ai vraiment pas admis à les retaper, les chars. Non, au pire, vous savez quoi? Justement. Oh, j'ai un petit problème avec mon micro, excusez-moi. Je me disais, tiens, pourquoi pas les faire maintenant, les chars? Parce que après, ça va devenir limite obsessionnel. Donc, vous savez quoi? Je vais les faire tout de suite, ces fucking chars là. Bon, désolé, je vais passer la cinématique. Hein, parce que non plus, on l'a déjà vu. J'aime pas regarder deux fois les mêmes cinématiques, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Tac, on va prendre quelques munitions quand même. Ouais, c'est bon. Petit bug de la manette, je sais pas pourquoi. Enfin, moi j'ai toujours droit au petit bug, de toute façon, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. On va aller tuer ces fucking. Un gendarme. Voilà, hop, j'ai eu le temps de changer.
Non. Régénère-toi pas. S'il te plaît, abuse pas, allez. Et voilà, il s'est régénéré. J'étais sûr, il s'est régénéré. Voilà. Je suis content. Ok, d'accord, il te tire 50 balles à la fois. Il faudrait juste un nouveau moyen de transport, ça serait plutôt pas mal. Ok, d'accord, ça c'est normal. Hop les. C'est parti. Il y a un char juste là. Donc, ça devrait m'aller. Voilà. Nickel. Toujours la moitié de notre vie. Je savais même pas qu'on avait la moitié de notre vie. Génial. Vas-y. Ah, le truc, ce qui aurait été bien, c'est que j'attaque avec toute ma vie. Ça aurait été plutôt pas mal. Vas-y. Punaise. Régénère-toi pas. S'il te plaît, abuse pas. Sa vie se régénère en fait dès que je le vois pas. Voilà, vite baisse-toi. Putain les cons. Putain c'est des enfoirés ceux qui ont créé ce jeu, franchement. Désolé de le dire comme ça mais voilà. Putain ils sont complètement cons ceux qui ont créé ce jeu. Allez. Ah je sais je m'énerve là mais c'est vraiment de l'abus quoi. Allez. Putain, les mecs, c'est des kamikazes, ils te foncent dessus. Eux, ils ont rien à foutre là. Allez, le baron, c'est un dieu là. Il se croit à vous là, c'est de la pure. Je sais pas quoi là. Je sais même plus comment. C'est quoi le terme déjà qui permet de dire. Le mec, c'est. Leur dieu. C'est un tyran, c'est ça. Le roi, c'est. Il se prend pour un dieu. C'est les tyrans. Les empereurs aussi, je crois, ils font ça. Enfin, on s'en fout un peu. Allez. On essaye de. Battre ces fucking chars. On va y aller aux armes bleues. Parce que j'en ai marre, franchement. Donc, on a le droit en plus à plein de mecs qui me tirent dessus par l'arrière là. C'est bon là, t'es tout seul derrière moi, mec. Hein. T'as le droit de me quitter. Hein. T'as le droit de me lâcher. T'as le droit. C'est pas interdit. Voilà. Descends. Nickel. Il me faudrait juste un autre véhicule. Même pas besoin. Oui. Meurs pas maintenant. C'est bon. Ça devrait calmer un peu les choses. Bon boulot. J'aurais pas fait mieux moi-même. Ah oui. Alors, excusez-moi de quelques mésaventures tout à l'heure. Mais voilà, j'étais vraiment trop énervé. J'en avais vraiment trop marre. Hein. Allez. C'est parti, moi je vous dis, on va aller se taper ça aussi je crois. Non, ça j'en souviens. On le fera plus tard, je vous le dis tout de suite. Même dans une autre vidéo parce que j'en souviens bien. Ça va être long à faire. Et on va dire que j'ai pas que ça à faire aujourd'hui. Parce que aujourd'hui j'ai une journée très chargée. Et j'étais même pas sûr de pouvoir vous faire une vidéo. Mais bon, je vous en fais une aujourd'hui. Bon, comme j'ai pas le temps, je vais pas vous faire une vidéo de Ratchet en même temps. Parce que l'autre fois, vous avez sûrement dû remarquer, j'ai sorti. Oula, je passe à travers les murs, génial. J'ai sorti une vidéo de Ratchet et une vidéo de Jack en même temps. Donc plusieurs de mes personnes m'ont MP et m'ont dit ouais, tu devrais faire ça plus souvent et tout. Ouais, c'est bien que je le fasse, mais bon, faut avoir le temps aussi. Hein. Parce qu'on dirait pas, mais ça me prend pas mal de temps quand même de faire des vidéos, faire le rendu. Surtout que le rendu, souvent, ça monopolise mon ordi, vu que le rendu, moi. J'ai un ordi portable et ça c'est un peu plus dur à. Enfin un peu plus dur. Ça prend un peu plus de place à faire le rendu, on va dire ça comme ça. Allez, en tout cas, on va aller jusque. Voilà, jusqu'au stade. En essayant de rester vivant, parce que depuis tout à l'heure. Ah il peut pas passer. Ils peuvent pas passer. Oh, cette classe. Bon allez. Allez, c'est vrai qu'on est toujours en train de. On a détruit le chargement de crew.
génial. Comptez sur moi pour vous remettre une médaille. Bon, le temps presse, alors du balai. Vous êtes toujours aussi dur. Laisse-moi faire, Jack. Écoutez, madame, on a gagné votre stupide course et on peut battre n'importe qui dans cette ville. Mais cette voix... Et j'ai deux mots à vous dire. Primo, pas question qu'on rejoigne votre équipe de nazes. Deuxio, vous venez de louper un rencard avec l'éclair orange. Allons-y, Jack. Daxter, c'est toi. Kira. Oh, j'aurais jamais cru être aussi contente de voir ta face de rat. Et Jack, tu as l'air différent. La course a été difficile. Le baron lui a inoculé de l'écho noir. Et ça lui a fait quelque chose. Maintenant, il a des super pouvoirs ou je sais pas quoi. Il pique parfois sa crise. Ça fait un bail que je vous cherche, les gars. J'essaie de trouver un moyen de rentrer chez nous. Cette faille nous a transportés dans le futur. J'ai calculé le déplacement temporel et je crois que j'ai trouvé... On a trouvé ton père. Enfin, si on peut dire. Il travaille avec les souterrains contre le baron. Mais il... Quoi? Il faut que tu ailles le voir. Et moi, il faut que j'aille voir le baron. Vous pourriez essayer de remporter le championnat de classe 1. Le vainqueur de cette course rencontre toujours le baron au palais. Mais il faut d'abord vous qualifier en gagnant les courses précédentes. Le départ d'une course de classe 3 va bientôt être donné. Vous pouvez concourir pour mon équipe. Mais Jack, allons-nous-en d'ici. J'aime pas cet endroit. Et il y a des gens qui me donnent la chair de poule. Jack, mon garçon, j'ai besoin de cette clé rubis que tu as trouvée. Un client spécial me l'a réclamée. Désolé, Crew. J'ai dû oublier. C'est ça. À tous les citoyens, la course de classe 3 va commencer. D'accord. Bon, bah allons nous taper la course de classe 3. C'est parti. Allez. Bon, une petite course, ça vous dit? Moi, ça va bien me plaire, je pense. Bon, on lui a remis la clé. C'est vrai que j'avais pas pensé à lui remettre. Donc apparemment, il semblerait qu'il y ait l'alarme. Je sais pas pourquoi, mais il y a l'alarme. Elle sert un peu à rien. Ah ouais, d'accord. Alors on va se retaper encore de la course. On sent qu'on tape déjà dans Ratchet & Clank. On va maintenant se taper dans Jack. Ah ok. Ok, il n'y a plus le truc de jetboard comme on aimait tant. Maintenant, c'est de la course. Oh non, c'est pas vrai. Oh, je le sens mal. Oh non. Bon bah c'est parti hein. On va essayer de se taper la course. Ah ouais, d'accord, ça commence grave bien. Bon, je me souviens qu'il faut... Bon, je vais essayer de me réhabituer avec vous. Donc là, je pense que j'en ai pour un petit moment. Bon, on a fait les trucs principaux déjà, on a... Enfin, les trucs principaux, pardon, j'ai pas conjugué. On a fait les chars. On a fait le truc chiant, là. Merde. Je sais pas comment faut faire hein. En fait faut d'abord que j'arrive à passer directement du machin à l'autre. Enfin d'un machin à l'autre parce que sinon. Voilà. Ok, il me percute. Oh mon dieu. Oh putain. Cherchez pas là, je suis mort là. Ok, je vais tout doucement. Oh, j'ai envie de suicider, moi, je vous dis. Ah, faut suicider, là. Non, franchement, y a vraiment d'autres moyens. Si j'arrive à me suicider, ça serait plutôt pas mal. Allez, plus vite, quoi, Jack, abuse pas. Aïe aïe aïe, j'arrive même pas à me suicider, vous rendez compte? Allez dans le trou. Voilà. Bon allez, c'est parti. Le truc c'est de pas se prendre de mur, sinon le véhicule il est mort et la course aussi elle est morte. Le quatrième. Troisième. Putain, le cinquième. Un chat trop grade, pas possible. Et fuck, voilà.
Fuck. Ouais, le truc c'est... Faut que je le fasse 5 fois ça. Ah mais je suis jamais y arrivé. Ah là là, franchement le jour où j'arriverai de finir ce jack, ça sera un miracle. Allez, allez. Faut que j'arrive premier. Dingue. Faut que je fasse un truc impossible quoi. C'est pas possible ce jeu. Hop là, ça c'est de l'accélération. Ok, ils se sont chopés tous les machins. Moi j'ai rien eu. Ah là c'est vrai qu'on les a bien eus. Allez, hop. Ouais, peut-être que ça aurait été plutôt pas mal une un petit boost. Ah, le truc c'est que si jamais je prends ce raccourci à chaque fois, ça devrait plutôt bien sans finir. Voilà. Oula, il était bien chaud celui-là. Voilà. Bon, j'ai un peu d'avance quand même. Donc il va dire que je devrais plutôt bien m'en sortir logiquement. Je précise bien le logiquement. Allez, allez. Elle va se passer un scooter de merde en plus. C'est quoi ça? Ça c'était quoi? Tu sors du terrain carrément. Ah là là, en plus j'étais bien parti. Vraiment dommage. Regardez ça, tu sors complètement du terrain. Ok, ça c'est fait. Allez, c'est parti. Ah, il se bouscule à fond. Oula, j'ai eu chaud. J'ai cru que j'allais m'en prendre plein la tête. Voilà. Voilà. Je prends quelques boosts. Moi je dis que les boosts, franchement, ça peut être qu'un avantage quoi. Allez, hop. Non, sadique. En plus, le truc, c'est que c'est super chaud de prendre ce machin. Mais non, je vais pas être dans leur truc à eux, moi, je m'en fiche. Vas-y, vas-y. Voilà. Au pire, je suis premier, moi je m'en fiche. Putain, c'est quoi ce scooter de merde là? C'est censé être une mécano de génie, elle arrive pas à faire un bon scooter quoi. Voilà. Bon sang, c'est pas possible. Faut que je trouve un moyen en fait les gens. Faut que je trouve un moyen de bien réussir à faire ce saut là. Parce que c'est ce saut, je m'en souviens, qui fait toute la différence quoi. Hop. Dingue. Oh, se calmer aussi hein. Merci. Fuck. Désolé mais... Punaise, je suis énervé là. Je suis énervé contre eux en fait parce que depuis tout à l'heure ils me saoulent. Est-ce que je vais y arriver? Ce serait gentil que j'y arrive quoi. Vas-y. Vais-je y arriver?
Je n'y arriverai jamais. Oh, je vais jamais y arriver. Allez. Oh, j'espère que les courses sont pas tous aussi difficiles. Hein. Et voilà. Génial. Je sais même pas comment j'ai réussi à me mettre dans le feu, mais je me suis mis dans le feu. Bravo. Bon, vous savez quoi, au pire, je vais essayer de rester concentré, passer par cet endroit-là dès que je peux, et sinon, je vais faire tout comme normal. Moi, je dis qu'en fait, c'est depuis tout à l'heure, j'essaye, mais bon, voilà quoi, ça sert vraiment à rien d'essayer. C'est pour pas réussir. Et voilà. Super. Vive Jack de hors la loi. Vive Jack de hors la loi. Et c'est superbe course de moto. Voilà, déjà je passe premier. C'est fait. Voilà. Ça aussi c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Moi je préfère pas prendre trop de boost dans ces endroits là. Là non plus. Je préfère conserver un petit peu pour plus tard. Genre pour là. Voilà. Esquive. On va prendre ça. Non! Mais le saut qu'il t'a fait, t'es pas sérieux! Hop, les. Allez, hop. Et j'y arrivais. Nickel. Allez, hop. Alors, hop. Ouf. Pour le moment, je m'en sors bien. J'ai pas mal d'avance en plus. Ah, le truc, c'est dans les montées là. Dans la montée, c'est vraiment de la merde ce truc. Je perds vraiment du temps dans les montées, un truc de dingue. Voilà. Hop. Bon, pour le moment, je m'en sors. S'il te plaît, non! Putain de merde, c'est quoi ce truc? Ah là là. Ah, ça m'énerve. Allez. Punaise, c'est quoi ça? C'est quoi? T'as envie de passer et t'y arrives pas. Allez. Hop. Punaise. Allez. Hop. Nickel. C'est quoi ça? On se demande des fois, franchement. 10e fois je recommence quoi. Même plus, 20e fois. Ce truc, c'est que ça me saoule quoi. J'arrive pas à faire un 5 tours complet. Allez, vous savez quoi? Ça me saoule. On va faire comme tous les autres, le grand tour. Voilà. Vous savez quoi? On fait le grand tour. Comme ça, au moins, on se paye pas des trucs de merde. Voilà. Hop, j'ai 3 boosts. Je les utilise quand je peux, quand je veux. Voilà, hop. Hop. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais punaise, le truc il fait n'importe quoi dès que t'as un peu de vitesse. Dès que t'as un petit peu de vitesse, direct, boum, tu pars en couille. Allez, hop. Dégage-toi. Là, j'ai eu chaud. Voilà. Là, faut passer par l'endroit dès que j'ai un boost ou dès que je suis sûr de pouvoir y arriver. Parce que c'est comme ça que je vais y arriver. Parce que sinon, là, je vous dis, je peux recommencer 1000 fois, on n'y arrivera jamais, les gens. Allez, ça fait déjà plus d'un quart d'heure qu'on est dessus. On va y arriver. Bon, allez, faut pas penser aux chiffres. Allez, hop. Virage serré. On arrête d'accélérer et on réaccélère juste après. Hop là, j'ai eu chaud.
Voilà. J'aurais peut-être dû l'activer là, le boost. Regardez comment il est lent ce vaisseau. Enfin ce vaisseau. Ce scooter. Putain, les autres ils vont grave vite, pas moi. Nickel. Nickel. Au moment où je m'en sors, plutôt bien. Voilà. Je me demande si je vais m'en sortir jusqu'à la fin. J'espère. Non. Oui, je suis chaud là. Je préfère passer par là. Ils m'ont rattrapé. Hop. Voilà. Vas-y, vas-y. Je préfère même pas prendre le truc, vous savez quoi. Parce que là j'ai tellement peur de me lander alors que je suis premier et que je suis au cinquième tour. Voilà, vous voyez le truc c'est ce que je voulais, ce qu'il fallait faire quoi. Oula, j'ai failli tomber dans le vide. Heureusement que j'avais un boost, sinon j'étais mort. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, oui, 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 oui. J'ai eu chaud. Mon dieu. Encore une fois, les doigts là en nez, hein. Hé, je vous ai regardé courir tout à l'heure. Vous êtes balèze. Oh, merci. Kira, voici Ashlyn. C'est... Tout le monde sait qui c'est. Et Kira, c'est... Une amie. Une très, très bonne amie. Merci de m'avoir aidé avec le camion-citerne, Jack. Vous avez sauvé beaucoup de vies. Je ne suis pas mon père, vous savez. Quand j'étais petite, je regardais déjà les rues de la ville, du haut de ce palais ridicule, et je rêvais d'un monde meilleur. Au fait, il vous cherche. À votre place, je me méfierai des rôles. Je ne peux pas vous protéger contre lui. Waouh, joli avec ça. Elle a le piquant, tu sais, Jack. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. T'aimerais épingler des médailles sur sa jolie poitrine, là. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que t'as dit, Jack? Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, parce que là, franchement, faut avouer que c'est vraiment difficile. J'espère que ces deux vous aura plu. Voilà, je vous souhaite tous une bonne journée, bonne soirée. On peut qualifier cet épisode d'un épisode assez difficile, quand même, faut avouer, parce que j'ai bien, bien galéré. C'est quoi ça? Attendez. Un épisode bien difficile. Et puis voilà, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire, mettez un j'aime, et puis voilà. Pouce bleu. Allez, ciao tout le monde.